Tchouk! Putain! Tchouk, ouvre-moi! Tchouk! Tchouk, espèce de gros connard! C'est Jolly Boy, il a acheté devant ta porte, espèce de bâtard! Je passe là pour les thunes, pour le yinche! Qu'est-ce que tu branles, putain? Dès que t'as le message, tu me rappelles illico, t'as compris? Si je vais me pointer avec la moitié du fric, je vais me faire flinguer, moi, connard! Crevure! Chose, en fait. Et ouais, mais bon, en même temps, c'est un truc important, quoi. Tu vois, ouais. Faut pas passer à côté. Il y a du pognon à faire, quand même. Alors, tiens, pourquoi, là? J'ai rendez-vous avec le lien, je suis à la bourre, là, mais... Ouais. Et pourquoi? Ouais, mec, tu pourrais pas. J'ai laissé les thunes chez un type, ouais, que je connaissais d'autres. Ok. C'est ce que c'est, un retard chez nous? C'est un bon à moi. Ok. Alors là, tu vas rentrer. Ok. Au ouais. Fond, droite. Ouais. Tu baisses les yeux. Je te laisse. Hein. Assieds-toi, toi. Bon alors, quoi de neuf? Alors, faut que je te dise... C'est rien de grave. C'est pas la fin du monde, mais j'ai pas toute la thune. Quoi? T'as pas toute la thune? Non, bah, j'ai pas toute la thune sur moi, là. Bien sûr que j'ai la thune, mais je l'ai pas... Là, j'ai que la moitié. Je me suis... En fait, le... Non, je t'explique en un rendez-vous. C'est le problème, mais j'en ai rien à carrer. On avait un deal tous les deux, non? Un deal, vieux. Non, non. Là, t'es en train de faire un faux plan. Je me trompe. C'est pas un faux plan. C'est. Tu sais comment je prends ça, moi? Pour un manque de respect. Je te manquerai jamais de respect. Je peux te jurer sur la. Je suis réglo, tu me connais, merde. Je t'ai jamais fait de coup de pute. Je suis. Je suis autant emmerdé que toi, là. C'est un mec qui m'a vraiment foutu dans la merde. C'est lui qui a la moitié de la thune. Je suis pointé chez lui. Il répond pas, ce batteur. Ah, j'ai les boules, je te promets, j'ai les yeux dans la même merde que toi, là. Moi, je sais pas. Tu retournes pas la situation. Là, tu me fous dans la merde. Et moi, je peux te dire qu'il va falloir que tu trouves une solution, rapidement. Parce que sinon, ça va mal se passer. On peut trouver une solution, c'est pas le... Écoute, là, j'ai quoi? C'était quoi? C'était 6 000 euros, on l'avait dit. 6 000 euros pour 200 grammes. J'ai quand même 3 000 euros. 3 000 euros, tu me files que 100 grammes. Mais je vais me démerder, c'est pas grave, je vais me démerder. Tu me piques que 100 grammes et moi le mec, je le vois ce soir. T'inquiète pas, je le vois ce soir, je vais m'arranger, j'aurai des thunes demain. Je te ramène les 3000 euros qui restent, tu me files les 100 grammes qui restent et voilà, tout le monde est content quoi. Tout le monde est content. Et ouais, t'auras ta thune, j'aurai ma cam. Mais voilà, comment tu crois qu'ils réagiraient mes autres clients s'ils apprenaient que je vends de la cam au détail avec des prix de gros? Hein? C'est pas. Non, c'est pas. Non, mais 30 euros le gramme, écoute-moi, c'est pour 200 grammes. C'est pas pour 100 grammes. Oui. Ok? Non, mais sûr, évidemment, mais. Les prix sont dégressifs, mec. Putain, mais j'ai une réputation, moi, j'ai une éthique, bordel. C'est pas Pisson et compagnie, ici. Hein? Tu le sais, ça. Alors, je t'explique. Les prix au gramme, aujourd'hui, pour toi, pour 100 grammes, c'est 40 euros, le gramme. Déjà, tu te mets ce paramètre en tête, ok? 40 euros, mais... 40 euros, je fais aucune marge, moi. Mais sur ma place aussi, je peux pas signer, moi. C'est... Non, mais tu signes pas. Mais t'as déjà signé, gars. Mais t'as déjà signé. T'as signé avec ton sang et t'as vendu ton âme au diable. Ça, je te le rappelle. Ouais. Là, je te propose pas un marché. Je t'explique ce qui va se passer. Il y a des offres qu'on ne refuse pas et celle-ci en fait partie. Ça, tu le sais. Deuxièmement, là, tu me fais ramener de la cam, hein, à la maison.
Moi, je peux pas la garder ici, c'est trop chaud en ce moment, quoi. Y'a Derek Pou qui arrête pas de m'en casser les couilles, là, depuis des mois. Je suis même plus tranquille à la maison, hein. Et en plus, je vais pas me retrimballer en ville avec cette merde. Donc je t'annonce. Je te file les 200. Mais toujours à 40 euros le gramme. Ok? Ça fait 8000 en tout. Là, tu me ramenais quoi, là? 3000? 3000 euros. 3000, fais voir. Donc il reste plus que 5000. Là, il y a les 200. Hein? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne, c'est que tu n'auras pas d'intérêt supplémentaire. Hein? La mauvaise, c'est que je veux les thunes demain, sans faute. Et je te laisse imaginer ce qui va se passer si j'ai pas les thunes demain. Maintenant, tu fous le camp, je ne peux plus te voir. Et je te dis à demain. Allez, dégage. Dégage! Chouk, c'est Johnny Boy là, je sors de chez Lynch. T'es mort. Putain, qu'est-ce que tu foutais, connard ? Eh, hey, c'est quoi ce bordel là ? Je suis passé tout à l'heure. J'étais où ? C'était les flics, tu m'as fait. Je suis passé tout à l'heure, t'étais où? J'étais là, ça fait une semaine que je suis là. Pourquoi tu m'as pas ouvert, espèce de gros con, va? Je t'ai embourriné à la porte pendant un quart d'heure. Je sais pas, je dormais. Ça fait quoi? Ça fait 6 jours que je te dis que je vais passer aujourd'hui pour récupérer les thunes, pauvre con. Je te l'ai dit ou je t'ai pas dit? Johnny, je faisais la sieste, putain. Tu faisais la sieste? Ouais. Oh, putain. Oh, ça. Complètement défoncé, ouais. Pourquoi tu te défonces la gueule le seul jour où faut assurer, bordel de merde? Et toi, t'es monsieur Clean. T'as conscience qu'il a fallu que je me pointe là-bas avec la moitié du fric, chez le Niache? Ça te traverse l'esprit, ça, que j'aurais pu y passer, moi, c'était du gros connard? Mais non, t'en as rien à branler, toi. Crevure, va. Putain. Tu vas me chercher là-dessus, les fils, ça, t'as compris? Il va chercher ton portable aussi, je t'ai appelé toute la journée, bordel. Qu'est-ce que tu prends là, ton portable? Ah, je l'ai échangé quand une boulette de crack. Pourquoi t'as pas fait du fric à la place? Chouk, dis-moi que t'as le fric. Hein? T'as pas déconné, dis-moi que t'as le fric. Non, mais... Il est où? Alors, écoute... Il est le pognon. Parle! Il y a mon dealer qui est venu le week-end dernier. Il a eu de la bonne cam, alors là... Et... Oh putain, Chouk. Après, on a... Je sais qu'on a fait le... Après, je sais plus trop... Mais après quoi? Après on... Après quoi? Espèce de connard de quelqu'un de merde! Je sais pas, c'est oh, fou, putain. Johnny, écoute, c'est un peu cotonneux, quoi. Oh, t'as pas pu tout cramer en héros, en si peu de temps, putain, c'est pas possible. Dis-moi que t'as pas fait ça. T'inquiète, Johnny, t'as pas fait ça, mais on est frères tous les deux, je t'aurais pas fait ça. Putain, Chouk, oh. Ce bordel, putain, je peux pas dormir, merde. Putain, c'est un potato. Oh putain, on est mort. Tu penses à connard qu'on est mort? On est mort! Si je ramène pas les thunes avant demain, on est cramé. J'ai la cam de Yinrach sur moi, moi, tu comprends ça? C'est des fous, bordel! T'as de la cam? Tu crois qu'on peut rejouer avec eux? Mais oui, j'ai sa cam, connard! Tu crois qu'il fallait pourquoi? Tiens, Johnny, paye ta trace. Paye ta trace, mec, on est frères. Oh putain. Si je te fais une pipe, tu me payes ta trace? Mais je toi. Paye ta trace? Allez, on est frères. Oh! S'il vous plaît. Là-bas.
Ouais, c'est à vous, ça va. Hello, c'est moi, c'est Johnny Boy, je t'appelle là, est-ce que je peux passer 5 minutes chez toi? Ouais, mais j'en ai pas pour longtemps, j'en ai vraiment pour 5 minutes, je te promets. De toute façon, écoute, ouais, de toute façon, là je suis devant chez toi, j'arrive, de suite. Salut! Salut! Comment va mon étudiant préféré? Qu'est-ce que me brûle l'heure de ta visite? Bah, je vais pas dire bonjour. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ouais. J'allais finir par t'oublier. Bah, vas-y, dis pas le truc comme ça. Tu sais que ça fait longtemps que je voulais passer là, d'ailleurs. Moi, j'ai pas mal de boulot, quoi. T'as un boulot, toi? Eh ouais. Je suis en train de monter mon affaire en ce moment là. J'ai investi, là, je reprends un commerce. Donc voilà, j'ai plein de démarches administratives. J'ai papier à remplir, ce genre de truc, j'ai pas une seconde à moi, quoi. Mais non, ça doit te faire bizarre, toi, que jamais bossé de ta vie. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les temps changent. Et c'est quoi exactement ton travail? Alors, le truc, c'est comme on est en train de monter l'affaire, là, j'ai pas trop envie d'en parler. C'est par superstition, tant qu'on est pas, tant qu'on a pas mis le truc en place, tu vois. Mmh. Et je peux te dire que ça va être un coup énormissime, quoi. Je vais rouler sur l'or d'ici peu. Mmh. Tu penses bien que je suis au taquet, quoi, je suis à 100%, je m'applique à fond. Et puis t'étais tellement débordé que t'as pas pu m'appeler, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'avais plus de forfait. Ouais. Bon, toi, quoi de neuf, alors? En tout cas, t'es en forme, quoi. Toujours aussi sexy. Bon, qu'est-ce que tu veux, Johnny? Bah, écoute, tu commençais à me manquer, quoi, donc je me suis dit que... j'allais t'inviter à sortir. Quoi, maintenant, là? Bah ouais, maintenant, ouais. On va aller se poser, là, tranquille, dans un bar, tous les deux, histoire de discuter. Tu veux discuter, mais ça c'est nouveau ça aussi, hein. Mais non, c'est pas possible parce que tu vois là je suis pas du tout habillée, je bois une tisane et puis en plus quand t'es arrivée j'allais me brosser les dents donc... T'as quoi, t'as 83 ans maintenant quoi? Allez motive-toi, tu mets un truc rapidos là, on va aller se poser, tu vas pas me laisser en plan putain depuis le temps qu'on s'est pas vu. Bon, attends, je vais pas changer mes plans dans la seconde parce que monsieur a trouvé un trou là dans son emploi du temps depuis 2 mois, quoi. Je suis pas à ta disposition.
Puis j'ai pas envie. Là. Alors aller boire des bières dégueulasses dans un bar miteux, là, t'oublies. Ok. Mais bon, j'ai bougé, hein, si tu veux. On reste ici, y'a pas de soucis, quoi. Là, tu veux pas une gorgée ? J'aime pas les bêtises. Et les études, alors, ça marche ? Franchement, Johnny, là, ce soir, tu tombes mal. Il est tard, je suis naze, et puis... J'aimerais bien que tu me dises pourquoi t'es venu, là, qu'on en finisse. Mais moi, je suis venu pour te voir, moi. Ben voilà, tu m'as vu. Donc, ben, je voudrais pas te virer, mais comme je te dis, je me lève tôt et voilà, j'ai cours demain. Ok, je comprends, je te laisse tranquille. Bon, on se voit bientôt. Appelle, on verra. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. Et par contre, j'y pense, il y aurait moyen que tu me dépannes de d'un ou deux billets. Quoi ? Ce serait juste pour que je finisse le mois, en fait. Si tu pouvais me dépanner de 100 euros. 100 euros, bien sûr, Johnny, y a pas de problème. Mais t'es incroyable, toi. Tu sais quand même que je bosse pour financer mes études dès que j'arrive à peine. Donc si tu crois que je vais te filer des sous là pour que t'ailles picoler, tu te fous le doigt dans l'œil, hein, Johnny. En plus, tu me rembourseras pas, je le sais. C'est différent, là je suis sur un coup assez énorme en fait. Hein. T'as pas l'air de te rendre compte du truc, mais je vais rouler sur l'or là d'ici 3 semaines. Toi tu viendras me voir dans un mois. Si tu veux des thunes, je te rembourserai au centuple. Yes. T'auras pas besoin de mendier en plus quoi. Y'a aucun souci. Non, tu te fous de ma gueule, Johnny, ou quoi là? Avec toutes les thunes que je t'ai filées quoi? J'aurais pu m'acheter une bagnole et faire le tour du monde. Même 3 fois le tour du monde, ok? J'en ai marre de toi et tes plans foireux, t'as compris? En plus, tu trouves toujours une super excuse pour pas me rembourser. Ah ouais, et attends, tu crois que j'ai oublié là, la dernière fois, la honte que tu m'as mise chez Marie? De quoi, quand, quoi? Avec mes copines de la fac, tu te souviens pas? De toute façon, t'avais tellement picolé comme un beauf que ça m'étonne pas. Hein. T'étais con, voilà, voilà, tu te souviens, t'étais con, t'as insulté tout le monde, t'étais odieux, t'as fini par gerber l'entrée sur toutes les chaussures de mes copines, et tu t'es barré sans rien dire, quoi. Hein? Même pas un coup de fil après pour demander des nouvelles ou pour t'excuser, que dalle. Quand j'y pense, je sais même pas pourquoi je t'ai laissé venir. Tu me dégoûtes. J'ai même plus envie de te voir, tu sais. Donc dégage. La dernière fois. Dégage. La dernière fois, j'étais copine, j'ai abusé. J'aurais pas dû boire autant, c'est vrai, j'ai pas géré. Je m'excuse. Surtout pas que ça t'arrache la gueule. Hein. T'as vu la fois que je me suis tapé aussi, sans déconner. Je sais pas d'où tu les sors, ces meufs, mais c'était putain. C'est au palmarès des soirées les plus chiantes que j'ai jamais fait de ma vie. Attends, mais tu parles de mes copines là quand même. Et ouais, mais à un moment, faut que tu fasses gaffe à qui tu fréquentes peut-être aussi. Je sais pas. Mais je dis ça pour toi, moi, c'est pas pour pour t'enfoncer quoi. C'était quoi ces discussions? Attends. On a parlé de la place de la femme dans l'islam. Le nucléaire. Ah, c'est bien, oui, c'est bien. Ouais. Oh, Picasso. Oh, Picasso. Elle est bien cette meuf là. Je sais pas qui c'était, mais elle était très très bien quoi. Christelle? Ah, moi je trouve que c'était bien. C'était bien. Moi j'étais bloqué. Non, mais arrête, Johnny, tu te rends même pas compte que t'es en train de t'enfoncer encore en plus, quoi. Si je t'ai mis dans l'embarras, je regrette, ok? On peut pas remettre les compteurs à zéro, là, maintenant? Non, pas cette fois, Johnny. Et si je te propose un plan en or, pour me faire pardonner? Non. Pour me faire pardonner, un plan irrefusable, ok? Écoute-moi. Allez, Johnny, c'est bon. Attends, écoute au moins le plan, tu diras non après, quoi. Tu sais même pas de quoi j'ai parlé. Bah vas-y. T'as pas dit que tu connaissais des gens à la fac qui étaient prêts à... qui cherchaient des prods ou je sais pas quoi? Régulièrement? Si. Bah non, t'es sympa. Y a un type que tu connais pas qui était en galère, il avait un stock, il savait pas quoi en faire, moi je pouvais le débarrasser, je pouvais l'aider, ouais, bref. Ouais, ouais. Je te passe les détails. Ouais. Le fait est que tu me passes les numéros de téléphone des types qui sont intéressés. Moi sur chaque deal que tu fais, je te file 10%. Oh, attends. Quoi? Allez, je te file 20%. Et ça, je le ferai pas que n'importe qui non plus, quoi. C'est gentil. Je te file 20% sur chaque deal qui sont conclus. Je sais pas si t'as l'air d'avoir percuté. Aucun risque pour toi. Précise. Attends, c'est sérieux ton truc ou t'es en train de me jouer la comédie, là? C'est bon, mais si je te joue la comédie, tu pourras plus jamais me voir. J'ai faux, là? Bon, mais ok, mais t'as pas intérêt à me foutre dans la merde, quoi. Allez, approche.
Qu'est-ce qui t'arrive là? On va s'embrasser. Non, c'est pas nécessaire. Moi, je crois que c'est nécessaire pour qu'on puisse sceller le pacte. C'est une manière d'officialiser notre contrat, quoi. Les traditions, je comprends, la plupart des traditions anciennes, c'est comme ça qu'il faut. Petit baiser? Non, juste un baiser. Je te connais. Voilà, mais moi je dis juste un baiser, mais si tu veux plus, t'as plus, ma petite. Non, mais arrête, Johnny, je suis fatiguée. Tu es fatiguée? Oui. Oh. Arrête. Je vais te réveiller. Non, putain, c'est non. Vrai que t'as l'air d'avoir la fièvre, par contre. Ah, mais moi je pars pas en te laissant dans un état pareil. Ah non, mais moi je peux pas, ça me culpabilise toute la soirée, quoi. Tu comprends, moi aussi, avec. Je t'ai laissé en plan avec tes copines, je t'ai vraiment foutu dans la merde, et moi, franchement, ça me fait culpabiliser, je vais être obligé. Arrête. De faire pardon. Arrête, Johnny, non. Mais arrête. Non. Non. Tu sais que plus tu dis non, plus j'entends oui, moi. Tu sais ça? Non. T'as compris, là? C'était pas très clair, non. Je vous connais, les filles. Je dis toujours non, moi. Au fur et à mesure, dites oui, oui, oui. Ouais. T'as compris, là? Ah oui, là. C'était beaucoup plus clair, en effet. Je vois que t'as tes règles, je vais pas te déranger plus longtemps. Bon, tu me files 50 euros, je te fous la paix, moi. File-moi 50 euros, allez, je vais pas faire un flan pour 50 euros, merde. Allez, c'est bon. Tu prends tes 20 euros, tu te casses. Allez, dégage. 20 euros. Allez, c'est bon, là. De quoi ton truc? Non, mais c'est pas ce que je dis, c'est pas ça. Je crois pas en Dieu, ni à toutes ces conneries. Enfin, si je devais choisir une religion, je prendrais le culte de Krod. Ça, au moins, ça a de la gueule. T'es mûr ou quoi, Conan le barbare? Putain de fiction, ça existe pas. Ouais, et l'autre qui marche sur l'eau, et Marie là, qui est vierge. Non, mais tu crois que la Bible, ça a la gueule d'une revue scientifique? La putain de littérature, hein. Mauvaise en plus. L'Ancien Testament, je dis pas. Le Nouveau, ça bastonne que dalle. Toujours le même problème à la suite. Ouais, et Conan, au moins, ça a de la gueule. Ouais. Bien, tu veux quoi, toi? On est Morito. Le gars, il a fait des salades à la menthe, toi? Oh, je sais pas, t'as quoi comme cocktail, alors? C'est coca? Ouais, non. Ça paraît un truc un peu plus. Épicé, pétlotique. Peut-être quelque chose, moi. Bon. Ah, puis y a un putain de tronc. Au début, quand il tourne la roue, c'est pas une parabole marxiste sur l'aliénation au travail? Et quand il assomme le chameau?
T'en penses quoi, toi? On m'avait dit hein, qu'il y avait chez les métalleux des mecs qui avaient des croyances un petit peu bizarres, genre satanistes ou léopaganistes. Putain, si on avait dit qu'il y avait des mecs qui croyaient en... En quoi? Le culte cimérien. Putain, ça va loin, les gars, là. Le culte cimérien, c'est chaud. Sans deck. Tu crois en Dieu ou pas? Ouais, mais je sais pas. Peut-être ça me branche pas trop, moi, ces trucs-là, je sais. Si Dieu existe, pour moi, hein, c'est comme la force dans la guerre des étoiles. Bah là, je te suis. Trinque. Paye ta religion à la con, là, Jar Jar Binks, mais vous êtes mûrs là ou quoi? Non, mais je t'interdis de parler des épisodes apocryphes. Hein. Si tu veux attaquer la Sainte Trilogie, à la rigueur, on peut parler des Ewoks. Mais... Est-ce qu'il y a un des deux geeks ici présents qui est motivé pour faire un billet? 2 euros, c'est la partie, 10 euros, c'est la leçon. Tu sais quoi? Tu payes 2 euros pour la partie, puis après tu payes 10 euros pour la leçon. Et je suis partant, tu me payes un jack avant et on est parti. Ça marche. Allez, on y go. Ok, t'as pris un peu d'avance, c'est bien. J'ai plus de billard français, moi. Quoi? Ok. T'as gagné. T'avais dit 5 euros, c'est ça? Non, 10. 10 euros. Une dépouille, là, j'ai que ça, moi. 10 euros. C'est bon, on les quitte? Non, il reste les consos, ça fait 18 avec les consos. J'ai que ça, j'ai que 10 euros, j'ai pas les chiens, moi, les sous, là. Bon, là, faut trouver une solution, mon gars, mais j'ai que ça, quoi, j'ai pas... Merde. Que j'aille chercher des thunes, là. Je reste dans le bar, je bouge pas du bar. T'as intérêt. J'arrive, 2 secondes. Hé, les amoureux, ça boum. Hé, excuse-moi de te déranger, tu me déranges pas? J'ai un petit problème de tuer, excuse-moi de te déranger. Tourner à quoi, là, à la binouse? Hé, j'ai pas un truc un tout petit peu plus excitant pour ta copine? T'as pas envie de passer une petite soirée de folie? J'ai un petit peu de C sur moi là. Un truc qui déchire bien comme il faut.
Un truc qui déchire bien comme il faut. Vous me filez là tout de suite. Maintenant, là, tout de suite. J'en veux pas de ta merde. Je sais même pas ce que je vais te dire. Arrête, je te la file maintenant. Je l'ai fait à prix d'amis dans la mesure où on a sympathisé tout à l'heure. Je suis sûr que ça serait plaisir à la demoiselle, mon gars. T'as déjà baisé sous coq ou pas? Bibel, il essaie de me revendre sa merde. Tu cherches quelque chose? Quoi? Est-ce que tu cherches quelque chose? Est-ce que t'as envie de... T'as envie de passer une bonne soirée? Tu veux t'amuser? Peut-être un truc qui peut te dépanner? T'as quoi? Cocaïne? Pur? Haut niveau? Gamme de luxe? Un truc qui va te faire décoller, mon vieux. T'as quoi aligné ou quoi? Ouais. Il fait boire. Ok, nickel. 70. C'est bon, 70 pour toi? Je sais pas, faut goûter. Qu'est-ce qu'on y a un peu? Putain. Par contre, tu goûtes, t'achètes, hein? C'est pas un faux plan. Et alors, tu vas aller où avec ça? Pas trop bien. Hein? Putain. Mais bah. Faut que ta gueule, t'as vu? 70. 70. On est un deal? T'as des potes qui cherchent? J'ai des potes qui vont arriver là. Mais... Non, mais t'as des potes ici qui cherchent? Non. Putain. Et tu sais quoi, je te dis 70. Je dis c'est 80. Je fais 80 en fait. Non, c'est 70 ou c'est 80? Ouais, mais c'est 80 en fait. Je t'ai fait goûter sur ma réserve perso, mais ça, c'est pas du tout le même prix en fait. Une fois que tu m'as fait ouvrir ça, ça me nique tout, ça me... c'est 80, je cherche pas à comprendre. Eh, c'est 80 ou tu vas te faire foutre? Ouais, peut-être je vais me casser, ouais. Tu vas te casser. Jamais la vie, tu vas te casser, tu as goûté, t'es accro, c'est fini, allez, crache tes sous. Qu'est-ce qui permet? Ça dérange pas. Ça va. Tu vas mollo avec ça. Tu vas te taper une OD. C'est un plaisir de faire des business avec toi. Tu m'as jamais vu.
ouvert. Vas-y, franchement. La forme ? Ouais. Ouais. Tu sais que moi ça va, je vais très bien. Tu sais que je vais passer une excellente soirée, moi. Oui, oui, bon, mais qu'est-ce que tu bois ? Fais-moi une caca caramel. Laura ! Caca caramel. Il y a des groupes ce soir ? DJ. Putain! Putain, tu fais pas les barbus tout relou la dernière fois là? Oui, bon, ben tu descends, tu verras. Je peux faire les barbus. Tu me payes en verre. Ça va? Salut! Avec Johnny Boy. Ah, avec Johnny Boy. Salut Johnny Boy. Tombé au bon endroit. Au bon moment. La bonne personne. Ah ouais? Comment est-ce que tu veux, c'est pour moi? Tu me proposes quoi? Pour les princesses, c'est champagne. Ah, c'est champagne, carrément, c'est royal. Bon, bah ouais, champagne alors. Sinon, c'est piquant bien. Ah non, ça ne suffit pas. Non, champagne, c'est parfait. Tu peux nous mettre une petite coupette ? Laura ! Non, demoiselle. Champagne ? Qui mérite le champagne. C'est quoi ton nom ? T'es pas au courant, toi ? Ouh, c'est une fille mystérieuse, toi. Merci. Eh, hey, ouais, tu vas où là ? Tu vas ? Bah quoi, je vais où ? Bah je vais en bas. Bah je vais danser. Si tu me cherches, je suis en bas. À tout à l'heure, Johnny Belgade. Pardi, je vais aller en bas, pardi. Tu me remets la veste ? C'était de la balle, non ? C'était une très bonne soirée. On a bien dansé, quoi. C'était bien donné. Un très bon début de soirée. Ouais, c'était un bon début de soirée. Ouais. C'était cool. Bon, et la suite ? On fait quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'on propose ? J'ai bien une idée, je t'avoue. Ouais, ok. Non, mais peut-être que tu peux d'abord me payer une trace, non ? Peut-être ? Avant, évidemment. Mais on verra après. C'est pas où je suis désolé de ne pas y avoir pensé. Non, par moi-même. Mais non, non, c'est mon code du gentleman urbain qui est vraiment touché. On va aller dans mon bureau. Dans ton bureau, perso ? Je vais. C'est où ton bureau ? Je te suis ? Mon bureau, c'est le study, là. Viens, je vais te montrer un peu les différences. Ok. Putain. Ah, cool. Bah, merci. Alors ? Bah alors, ouais, ça le fait, ouais, carrément. C'est pas la super bonne cam, ça, sans déconner ? Franchement, c'est de la bonne. T'as vu ? Ouais, c'est de la bonne. C'est cool. Putain. Bon, mec, t'es chaud pour un after ? Ça te dit, là, t'es... Non, non. T'as un after maintenant, là ? Ouais, bah oui, bah attends, la soirée, elle va pas s'arrêter là. Hein. En plus, t'as la bonne coque. Donc j'ai un plan after. Ils ont des thunes, tes potes ? Mais oui, ils ont des thunes, bien sûr. Si je propose un plan after, c'est que beaucoup je sais de thunes, c'est une super coque, ça vaut beaucoup d'argent. Okay. Super coque, super pote, super plan, du bon son, de l'alcool, des meufs, dont moi, bien sûr. On va finir dans un squat qui est punk à chien. Mais tu m'as regardé, quoi ? Non, non, mes potes, franchement, pas j'arrête pas. Ok, bon, mais je t'amène alors. On y va ? On y va.
tu vas arriver sur le green directement si tu veux, et ça évite que ta balle. Ouais, ça évite qu'elle roule trop en fait, qu'il s'arrête. Et après, si t'es bon, t'as plus qu'à faire un peu de classique et. Salut, ça va? Ouais. Super, et toi? Tiens, je te présente Johnny. Johnny? Ouais. Johnny Boy. C'est un super salut. Pote. Ok, d'accord. C'est cool. Impeccable. Je peux rentrer. Bah ouais, regarde, ça se passe par là, tiens, ouais. Tu veux voir un truc, Johnny? Jack Daniels. Peut-être Jack Daniels ou quoi? Ça te va, ça? Ça le fait, ouais. Carrément. Mais sinon, t'es venu tout seul ou t'as ramené un petit remontant, là, quelque chose là? J'ai lassé, ça t'intéresse, lassé? Bah ouais, ouais. Bah, ouais. 60 euros le gramme. 60 euros le gramme, voilà. C'est si fabuleux que ça. Je vais décoller, mon gars. Là, il faut juste de Katmandou, là, direct. Tu prends ça, t'es pas. Tu travailles pas demain? Bah non, non. Bah, c'est là tu dors pas la nuit. Oh ben d'accord, ça marche. Ok, ok, 60 euros. T'as des collègues qui sont intéressés ou pas? Ouais, carrément, je pense. Ouais. On va aller faire un tour à côté. Ouais. On va en trouver. Ouais. Merci. C'est où tes camarades? D'ailleurs, tu vois? Ouais. Allez, c'est parti. Comme tu veux, on a 60 euros. Oh putain. Excuse-moi, la personne que je viens voir. Oui, ah. Bah, je pas moi par contre. Tu t'es où? J'ai perdu, t'as l'air, t'étais où? Bah, j'étais pas très loin, hein, mais j'étais assez vite. J'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux là? Bah, je sais pas, tu veux pas. Mais je vais juste te pisser. Tu veux aller pisser maintenant? Bah, oui, je vais aller pisser maintenant. Putain. Ouais, ça fait un peu une heure que j'attends. Tu peux avoir en profite? Non, non, non. J'ai encore la vidéo ouverte, c'est rapide, on fait ça vite fait. Non, mais c'est bon, ça va, c'est bon. C'est bon, je suis là-bas, je t'attends, ok? Tu veux que je te garde ta porte? Non, vas-y, c'est bon. Je t'écoute quand même pour être sûr que ça se passe bien. Vas-y, c'est bon. Je suis là-bas, tu me rejoins? C'est bon, moi, je t'entends. Ouais. Salut. 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 Nico, on nous a dit que t'avais de la cave. Ouais. J'aurais moyen de faire une petite trace. Enfin, une chacun. Vous voulez combien? Juste une trace. Une trace? Ah, tu fais une trace? Ouais, enfin deux pour le coup, mais... Non, non, je vais en grande. Vous voulez combien? On est en train de business, quoi, une trace de chacun, quoi. Tu vois? Ouais. Enfin, on est en soirée, enfin voilà. Tu viens me voir si tu parles business, tu dis business, moi, je suis... Non, mais... métier. Je veux dire, tu vois, enfin... Une trace chacun, comme ça, tu vois. Juste à la cool, quoi. Gratos, quoi. Ouais. Mais là, ça se passe comme ça, enfin, en soirée, quand on est entre nous, enfin... On fait pas les soirées en grand, mec. Non, d'ailleurs, dans un monde capitaliste, il faut payer ici. Rien n'est gratuit. C'est mort que je t'aime gratuit. Bah, attends, je sais pas, pour ma copine, c'est gratuit. Tu veux payer des traces. Quoi, c'est que tes copines? 60 euros, lui. 60 euros. Traces. Hé hey. Sans déconner. Tu veux. Tes copines? Ouais. Tu sais qu'elle roule les cloches à tout le monde dans les soirées? Ouais, ça va, les grandes, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Bon, 60 euros le gramme, vous avez 60 euros ou pas? Juste une trace, non, c'est on te demande rien. Pas 60 euros, qu'est-ce que vous faire foutre, hein? Tu la prends même sur deux parts, enfin c'est bon quoi. Putain, mais c'est quoi ce tocard, quoi? Putain, mec, mais il a rien, laisse tomber sa vie. Mais de toute façon, laisse tomber. C'est la police! Police! Personne ne bouge là! On vous a rien à craindre là! Hein? Bon,
c'est ce bordel. C'est ça. C'est quoi ce pneu là? Qu'est-ce que c'est une merde là, putain? Et c'est pas coq champagne ici. Ça, tu l'as dit, putain. C'est ça. T'as du client? Putain, la fois qu'on a du client, toi tu vas venir là. Eh, quoi? Reste, c'est bon, ça va. Calme, calme-toi. Bon, allez, vite tes poches, mec. Pourquoi? Allez, vite tes poches, connard. Vite tes poches! C'est les stupides. Ok, c'est bon. Okay. On fait le beau. C'est bon. Ok. Oula, j'ai rien. J'ai pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu mets dans ma poche? Quoi? Ta gueule. C'est pas à moi ça. Parle-moi ça, fougasse. Et c'est pas pour sa consommation perso, ça. C'est pas tu moi, là, tu parles. Ta gueule. Tu comptes écouler ça à la sortie des écoles, hein, peut-être, hein, jeune fille de merde. C'est pas moi, pas très coopératif comme mec, toi. C'est pas à moi ça. Ouais. Premièrement, tu veux plus de vider tes poches, en plus t'es chargé comme une mule, c'est quoi ce bordel? Ça fait un. C'est toi qui l'as foutu dans mon. C'est moi qui l'ai foutu, tout le monde m'a vu. Mais ta gueule. C'est pas moi. Chargé. Heureusement que le bras armé de la justice est là pour empêcher que des merdes dans ton espèce corrompent notre belle jeunesse. Ok. Ouais. Sauf qu'avec ce qu'on a trouvé, tu vois, tu vas finir dans 4 mètres carrés à te faire exploser la rondelle, tu vois. En tonnes. Ouais. C'est un beau gosse ce mec là, qu'est-ce que ça lui servirait de se faire enculer en vent là? Oui. Enfin bon, moi les procédures, de toute façon, c'est pas mon genre, t'as bien raison. Ah oui, quoi. Les procédures, les papas. Pas pour un truc, hein. Je crois que ce qui va se passer, c'est que. Sors, on le prend, t'oublies. C'est pas à moi! Qu'est-ce que tu veux que je... Bah, dans ce cas, ça te dérange pas qu'on le prenne. Et puis on va se casser gentiment. Voilà. Allez, okay. Vite, c'est bon. T'as pas vu notre gueule, tu fermes ta gueule, tu nous connais pas. Tu poses des questions, tu nous as jamais vu. Allez, les gars, hein, on n'a pas voulu plomber la soirée, on vous laisse, hein. Bonne soirée. Allez, et amusez-vous, c'est un ordre. On s'en fout des cons, on peut pas s'en faire là. Eh, la fête continue, regarde. La fête elle est finie pour moi, ok? Finie. On la fait. Non, la fête elle s'arrête jamais, mec, ok? Elle s'arrête jamais, tranquille. Non, sérieusement, tu vas pas prendre la tête là comme ça parce que les flics ils sont venus, qui t'ont un peu. C'est bon, c'est pas grave. Hein? Faut se détendre. Tu vas prendre la tête toute la soirée comme ça? Fous pas la paix, je te dis, dégage. Oh, il s'énerve maintenant là. Eh, tranquille. Come on. Oh, le prends pas comme ça, d'accord? Je t'ai amené un truc qui va te détendre, sûrement, j'espère. Hein, j'ai récupéré une petite bouteille de tequila dans le freezer. On va se la boire tranquille tous les deux. On va respirer. Hein? Hein? Voilà, t'as merde. Non, mais non, mais je peux pas. Je peux pas rester à boire. Ah ouais, dis pas n'importe quoi là. Allez, c'est bon. Faut absolument que je trace, je peux pas rester. On va boire soit, après on aura toute la nuit dans nous. Ok? Allez, cul sec. J'ai pas toute la vie en moi. Cul sec! La petite soeur, hein. La petite soeur. T'es un bon gars, toi. Merci. Des suites, quand je suis rentré dans la pièce, tu vois, je t'ai vu. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Non, c'est vrai ce que j'ai dit. Des suites, j'ai vu ta main. Et pourquoi j'ai rien, moi? Wow. Attends, c'est à toi. T'es douze, mon gars, mais... La tienne. Mon gars, tu sais quoi, on va d'abord se finir cette petite bouteille tranquille et après je vais t'amener dans un endroit dont t'auras jamais osé rêver. T'as déjà entendu parler du paradis? Hein? Ouais, et bien là c'est pareil mais en mieux. Tu vois? Je vais t'amener dans un endroit peuplé de créatures enchantresses, de fantasmes ambulants, tu vois ce que je veux dire? Il y aura de tout, de l'étudiante pas farouche à la pute à grand talon, il y aura de tout et en plus c'est gratuit, tu vois? Enfin presque. Hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et il n'y a pas un flic à l'horizon en plus. Parfait, non?
tu me parles des flics. Ah, non, tu vas pas commencer, non. Putain, bon. Solution. Ouais. Je bouge absolument, je peux pas rester. Tu vas trouver. J'en suis, sans déconner, je suis obligé carrément de refuser les coups à boire. Non, mais tu vas pas me laisser boire. Je peux pas rester, putain, je peux pas rester, tu comprends pas, toi, j'ai plus rien sur moi. Regarde ça, je suis à poil là. Ils m'ont tout pris, ces bâtards de flics. J'ai plus rien sur moi. Je suis mort, si je me bouge pas le cul ce soir, mon gars, pour me refaire, je suis fini, je peux jamais plus boire de ma vie. Tu t'es fait braquer ta thune par les flics, c'est ça? J'ai fait braquer ma... Attends, tu nous chies une pendule pour 3 malheureuses traces de C, là. Allez, c'est bon, tu vas pas nous faire chier. Allez, bois, et puis, on y va. Allez. Faites 200 grammes de coke sur moi. 200 grammes de coke, j'avais sur moi, connard. 100 grammes de cocaïne, putain, j'ai même pas fini de les payer, je les ai prêts à créer cet après-midi. Bah, j'espérais les refourrier, partie d'eau, tu vois. Enfin, j'en fais un maximum. Et là, je peux me rembourser. C'était jouable, je pouvais m'en sortir, je pouvais me permettre d'enfiler un petit peu de mieux. Et nous deux meufs, on peut le dire. J'étais encore. Et là, je suis niqué. C'est impossible que je m'en sorte. Ah bah, tu m'étonnes. Oh, je suis niqué, t'es plus de cul, j'ai plus de câble, je suis mort. Faut être un peu con pour se balader avec 200 grammes de coke sur toi aussi, non? Je crois pas. Merde déjà, primo. Oh, secondo. J'ai personne moi, qui l'a. Je suis squatché les mecs, à droite et gauche. Il n'y a aucun moyen que je puisse la laisser à ces types-là. De toute façon, à partir du moment où t'es de la coke, t'as plus de potes, c'est fini. Tu vas jouer solo. Le seul moyen pour moi, c'est de la garder sur moi. J'étais obligé, j'avais pas le choix. Si je voulais tout refourguer dans la soirée, j'étais obligé. Attends, tu voulais refiler 200 grammes de coke dans la soirée? C'est ça ton plan? J'ai pas le choix, le mec il veut que je refile demain. Ah non, faut que je fixe ça dessus. On a bien le plan, un super plan ça. À chapeau, hein. Je t'emmerde, connard, moi. Tu le connais pas, le lien, toi. Moi, je vais me pointe. Il le fixe pris, lui. Pour que je me pointe demain, qu'il puisse pas le rembourser. Comme ça, il va me choper les couilles, il va la filer, bouffer à ses chiens. Ou alors, il va me prendre la tête, il va le foutre dans un étui, il va tirer, putain. T'as déjà vu Casino? Joe Pesci, c'est une tarleuse. Voilà, le chien, c'est le. T'as jamais entendu parler du vinche? Si. Et toi, tu dois des thunes au vinche, et t'es assis là à boire un tequila avec un mec que tu connais même pas. T'es complètement taré, mon pote. Tu dois des thunes au Yinch et toi t'es là, mais tu sais ce qu'il va te faire le Yinch? Si tu le rembourses pas, tu sais ce qu'il va te faire? Ouais, je sais. Ça va être la morgue directe avec plusieurs cercueils pour toi, tu vois. Hein? Oh. Ou alors le mieux c'est que tu finiras comme pute au rabais dans un bar moldave. Ok. Bon, mais. Allez, quoi. Allez, c'est bon, t'inquiète pas ma poule, c'est pas grave, papa est là pour toi. Hein? Si tu veux, grâce à moi, tu peux te faire un max de fric ce soir grâce à moi. D'accord? Seulement pour des coronets sombrées. T'es qui là? T'inquiète pas pour mes coronets, mon gars, j'ai une plus grosse coronets que t'as jamais vu de ta vie. C'est quoi ton plan? T'as un plan pour. On verra ça, on verra. T'as un plan proposé ce soir là? Attends. Si tu m'écoutes bien, si tu respectes le plan que je vais te proposer, ce sera tout bénef pour toi et pour moi. D'accord? Pourquoi pour toi? Hein? T'as dit c'est tout bénéfique pour moi et pour toi. Pourquoi pour toi? Attends, je rêve là, je te propose un plan parfait servi sur un plateau. Et moi rien, tu me laisses en rade comme ça au bord de la route? Non. Hey, je veux 20% de ce que tu ramasseras ce soir, d'accord? 20% pour moi. 20%? 20%? Putain, t'es malade dans ta tête ou quoi? 20%? On s'est jamais vu ça. Attends. C'est 20% en direction les trottoirs de l'Est. Bon, 20%, vas-y, c'est quoi ton plan? Je peux t'encarder avec des mecs avec qui je suis en business en ce moment. Ok, vas-y. C'est pas n'importe qui ces mecs, ok? Et ils bossent pas non plus avec n'importe qui. Mais seulement tu me connais, donc à mon avis ça peut peut-être marcher. Surtout que je viendrai avec toi, d'accord? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Attends. T'as leur numéro? Ah, attends. Que je te briefe un peu sur ces mecs avant, ok? C'est pas du genre qui ont de l'humour, tu vois? Donc, hein? Fais attention. Ok, faut pas y aller comme un fou non plus. Je te promets, je fais attention. Le Yinch, ok? Le Yinch. C'est quoi? C'est pas une recommandation de fou ça? C'est pas la super référence de. Vas-y, on sort le gars. T'as leur numéro ou pas? Attends, que je te raconte qui c'est. Juste dis-moi ça. C'est leur numéro. Attends, ces mecs-là, tu sais. Ces mecs-là, ils ont plein de plans. Je te raconte quand même ce que c'est. Oh. Je m'en prends! Je vais essayer avec moi. J'en ai rien à branler. Est-ce que t'as leur numéro? Dis-moi que t'as leur numéro, je t'en. Attends, tu sais ce qu'ils m'ont fait la dernière fois? Tu sais ce qu'ils m'ont fait ces mecs-là? T'es sûr que tu veux 20%? Tu sais ce qu'ils m'ont fait? T'es sûr que tu veux 20%? Non, et je te dis un truc, hein. Moi des plans, il y en a partout. Hein? Alors, si tu veux 20%? Bon. Tu veux que je les appelle? J'y vais. Appelle-les de suite, putain! Oh!
Hey, tu t'appelles. J'y vais. Non, hey, tu t'appelles, tu vas voir aussi. Non, rigole pas, tu dis. Hey, s'ils peuvent pas, viens, c'est de gaver, quoi. Faut que je les vois de suite. C'est bon, j'ai dit, on y va. Allez, viens. C'est bon, de suite là, on y va. Oh putain, sa mère. Et c'est bon, t'as une voiture, t'es garé. C'est où le plan? T'as tronché la naine là? Putain, ouais, ça c'était un bon plan. Ah, elle est bien. Mais tu sais qu'elle a une soeur jumelle? C'est pas vrai. C'est si. Ouais. Tu connais? Ouais. T'es allé la voir déjà? Sa soeur, ouais. Ouais. Ben, ouais. Non, je connais pas parce qu'elle est pas naine, sa soeur. Tu as niqué toi? Ouais, mais elle est pas naine. Ouais. Ouais. Et toi, tu as pris quoi? Mais non, je l'ai pas baisé. Ouais. Bah, ça va pas tarder en tout cas. Salut. Okay, okay. Ouais, ça va? Salut. Dis-moi, il est où le guinche? Le guinche, il est là-bas. Ok. Assieds-toi. J'espère que t'as des bonnes nouvelles à m'apporter. Pas vraiment. Ton second là, ton nouveau dealer là, Johnny Boy. Il a fait que de la merde avec ta dope. Je pense vraiment qu'il manque de respect. Et en plus de ça, il s'est fait enfler la dope par deux flics à la con. Là. Quoi? Deux flics? Alors déjà, premièrement, c'est loin de mon associé Stoka. Je lui rends service à ce petit enfoiré, il ose me baiser la gueule par derrière, et à sec en plus. Putain, il va apprendre à me connaître la raclure, hein. Ah, monsieur Evinier, il comprendra qu'il faut surtout pas irriter le yinche. Quel petit enfoiré, quoi. Sinon, ils ont pris quoi, là? Développe, là, c'est quoi ton histoire? Je sais pas, j'ai mal vu, ils Madame, ces connards, là, c'est des stupes, ils ont pris la cam, c'est un marqueur enfoiré. Je sais pas qui c'était ces types. Il y en a un qui a dit à l'autre Nounours, il a appelé Nounours. Ah Nounours, tu dis? Ces deux enfoirés, je les connais bien, quoi. Deux qui n'arrêtent pas de me faire chier depuis des mois, tu entends? Des mois. Maman, on est dessus ces deux enfoirés. Je crois qu'on va les publier. On va se les faire. Ouais. Putain, on va se les faire. Ouais, c'est cool. Et pour mon info. Quoi? Quoi? Ton info? Quelle info là? Non, mais je sais pas. Non, mais tu veux quoi toi là? Je rêve? Parce que là, je vais me faire carotter par deux ripoux, entubé par une espèce de connard, et maintenant tu veux me taxer, connard? Attends, je dis pas ça. C'est qu'en fait, je me suis dit que j'ai pas forcément du fric, mais je sais pas, un rail, un petit rail. Tu me manques de respect, mec. Maman! Occupe-toi, ce connard! Occupe-toi. Eh, hey, des billets t'attends au bureau. Ah bon? Ouais. Nettoie-moi ce bordel. Ah, mais qu'est-ce que t'as branlé, quoi? Je vais encore nettoyer ta merde, maman, quoi. Tu comprends ça? Ah, tu t'en bien, toi. L'affaire que nous avions en cours est réglée. C'est cool, putain. Bon, écoute, t'as fait du bon boulot, là, sur le dernier coup, et j'aimerais bien que tu continues à bosser pour moi. Là, j'ai une petite affaire, une ordure de shot à me surveiller de près. Donc en résumé, tu vois, c'est un gars, il a fait de la merde à la propriété. Moi, j'aimerais bien la récupérer. Hein. Donc, tu le suis et puis tu t'assures qu'il récupère ce qu'il me doit, quoi. Ça manque un peu d'action, tout ça. Je suis sûr que tu trouveras une personne plus adaptée pour ce boulot. Tu veux de l'action? Tu vas être servi. L'enfoiré, il s'est fait carotter de la poudre par des ripoux, en ce moment. Donc, tu les retrouves, ces deux enfoirés. T'en fais des kebabs. Et surtout, tu récupères ma cam. On a préparé des fiches. Regarde. Maintenant, tu m'intéresses. J'adore découper ces vieux porcs de flics. Il y en a trop sur la planète. Marché conclu. Merde, hein, tu m'amènes. T'inquiète.
Bonsoir. Ouais. Salut. C'est le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure au téléphone et je voudrais savoir si c'était possible. Eh, ça fait un mec que je t'ai pas vu, toi. Tu veux me faire la bise? Non, mais tu fais quoi là? Non, mais c'est toi qui m'as demandé de te faire la bise. Je t'ai dit quoi? J'étais un PD? Non, rien. Tu veux que je te suce, c'est non, ça? Non, excuse-moi. Non, mais je déconne, c'est bon, allez. C'est bon, t'as fini de rigoler là, pour écrire fini. Ça, c'est des mecs sérieux. Putain, tu vas, mais nous, sans déconner. Qu'est-ce que tu fous, toi? Tu me prends pour qui, là? Tu veux que je te casse en deux, c'est ça? Oh non, je déconne, vieux, là. Ouais, c'est ça, l'humour, c'est moi qui l'a fait ici, là. Allez, garde les bras. Mieux que ça, là. Oh. C'est toi qui viens voir le chef, là? Ouais. Allez, viens, suis-moi. Toi, tu restes ici, toi. Non, il est avec moi, lui. T'as rien à voir avec l'histoire, tu restes là. Pourquoi? Suis-moi. Allez, cherche pas. Bon, les mecs, pour le plan. Salut. La part de pote, là. Je vous ai appelé tout à l'heure. C'est pas mon pote. D'accord, pas de problème. En tout cas, il a dit qu'on pouvait faire affaire ensemble. Je vais voir s'il y a moyen de faire affaire. Ouais, je te disais, ton pote là, le mec à qui je suis venu en tout cas, je sais plus comment il s'appelle, m'a dit que vous avez tout un tas d'affaires en route régulièrement. Je suis en train moi de chercher quelque chose en ce moment. Chercher à diversifier mes activités, si tu veux. Cherche quoi comme vise? N'importe, en fait. Moi, je fais marijuana, cocaïne. Si vous avez autre chose à me proposer, les mecs, moi, ça m'intéresse. Envoyez. Amphétamine? Amphétamine, bien sûr, ça peut m'intéresser. Ouais, carrément. Ecstasy? Ecstasy, ouais, bien sûr. Héroïne? Ouais. Crack? Crack, ouais. Trafic d'organes? Kidnapping, contrebande d'uranium. Je déconne du coup. De toute façon, on n'a plus rien en ce moment, alors dégage. Eh ouais, on a les flics sur le cul, tu comprends. Ils nous mettent la pression, alors c'était au calme. Rien faire en ce moment, on bouge pas. Quoi, vous avez plus rien? Putain, votre pote il m'a dit que vous avez toujours quelque chose là, wow. En plus d'être con, t'es sourd? On te dit qu'on n'a plus rien. Ok. On va nous avoir dérangé, les mecs. Attends. Il y a peut-être quelque chose pour lui. R2. Il est parfait, non? Vas-y, envoie. Bien sûr que ça peut m'intéresser, moi. Faut que ça rapporte, par contre. Hein. Je cherche un plan qui rapporte, moi. Je suis pas un gars de petit, je vous dis direct. Quoi, donc. Attendez, vous entendez, les gars? Du coup, on arrive de je sais pas où, il arrête pas de la ramer, et en plus, il voudrait qu'on le foute sur des gros coups. Donc, tu le crois où, là? C'est vous qui me posez la main. Ferme un peu ta gueule. Je te connais pas. C'est pas parce que l'autre Baltrin t'a présenté à nous qu'on va te faire confiance. Puis je l'aime pas ce mec, je crois. Si je le fous sur un gros coup, je sens que je vais le regretter, il pue la loose. C'est parce que j'ai pas foutu le déodorant, ça les mecs, c'est tout. Demande à n'importe qui dans la rue. Tu verras, tu auras pas d'embrouille avec moi. Hein. Je suis connu les mecs, hein. J'ai bossé avec le Yinche, tu connais le Yinche. Ah, toi, tu te bosses avec le Yinche, toi. On aura tout vu. Mais pris pour qui, les mecs? Wow, bien sûr. T'avais un plan qui rapporte ou pas? Mon pote, il a une idée, ouais. Il a bien envie de te faire confiance. Alors, on va te brancher sur nos petites rencontres nocturnes. Petites rencontres nocturnes. Oula. Ouais, mais là, par contre, il y a mal entendu, je crois, parce que... Je vendrais pas mon cul, je préfère que ce soit clair de suite, je l'oublie, parce que... Il y a pas moyen que je vende mon cul, par contre, hein, il y a... Oh, je vendrais pas mon cul, je veux que ce soit clair de suite, là, wow. Arrête, c'est bon, garde ton cul, c'est pas encore d'actualité. Non, je te parie de quelque chose d'un peu plus viril.
Du street fight. Et parmi nos activités, on organise souvent des combats de rue clandestins. Ça t'intéresse? Putain, mais ça fait une éternité que je me suis pas entraîné, moi. Tu me demandes ça comme ça. Tu peux parier sur eux, pauvre tâche. Tu tiendrais pas deux secondes face aux bêtes qu'on met dans l'arène. Allez, tu voulais un gros coup. Te voilà servi. Gain un maximum pour minimum de risque. Ça t'intéresse ou pas? Pourquoi pas, ouais. Pareil sur les combats clandestins. Ouais, ouais. Alors on est parti. Ça tombe bien, on devait y aller. Attends, on va peut-être régler quelques détails avant par contre. Bon, je te propose juste. Il faut juste que je vous... Je vais pas vous prendre. J'ai pas la thune sur moi. Mais t'inquiète pas. On te prête. Bah alors? On l'entend plus ta grande gueule. Tu mets un gros coup, tu vas être servi. Tu nous baisses, t'es mort. Ok, je vois pas d'embrouille, c'est bon. Ok, bah tu le ramènes dehors, on arrive, on va chercher la bagnole. Mais bah tu vois, tu t'es pas fait enculer au final. Allez, casse-toi. Allez, suis-moi. Et toi, tu restes dans le coin, toi. Bouge pas. On se retrouvera un de ces quatre vieux. Petite rue sombre. Oh, t'es taré ou quoi? C'est des fous, ces mecs. Arrête! Je connais pas, moi aussi, je peux péter un câble facilement. Super ton plantier, super. Excellent. Paris clandestin. Putain, c'est la vie de ma mère. Fais jouer ma vie sur Paris clandestin, quoi. Parce que toi, tu veux de l'argent sur un plateau, toi? Mais de l'argent sur un plateau? Ah, avec une petite valise? Tu veux pas un cocktail avec une petite ombrelle et puis du sucre autour? L'argent, ça tombe pas du ciel, faut aller le chercher. Pas avec toi. Un plan thune, un plan cam, voilà. Un plan cam, ça c'est un plan thune qui vaut de l'or, mon gars. Ah, mais ça c'est bon, ça au moins. Là où tu sais où tu vas, quoi. Putain. Toi, tu m'envoies au PMU, quoi. Au PMU. Au tiers C, au moins j'aurais une chance de. J'ai joué ma vie à pile ou face, quoi. C'est la roue des trucs, ça. Non mais le canon il est sur toi, mon camp. Toi c'est quoi? C'est, hein, c'est le plan cam, c'est ça? Il t'a amené où le dernier plan cam dont tu m'as parlé? Il t'a amené où? Ah, au yinche, hein. Ah ouais, c'est vrai, le yinche, t'es mort, le yinche, il tient par les couilles. T'es un cadavre là, t'es fini là, t'es dans un cercueil. Moi je t'offre une chance d'en sortir. D'accord? Tu penses que t'as tout à perdre? T'as rien à perdre. T'as plus rien à perdre. Y'a qui t'attend? T'as une femme qui t'attend? T'as une femme à perdre? Non. T'as des gamins à perdre? Non. T'as un job? T'as un job ou pas? T'as pas de jambes à perdre non plus. Alors, tu vas te saisir les couilles et tu vas y aller. Sur mon plan, là. Tu vas y aller comme un malade, d'accord? Ressaisis-toi, là, réveille-toi, là. Oh, Johnny Boy! T'y vas ou pas, là? Tu vas y aller, tu vas te faire tes thunes. Dans quelques semaines, peut-être, tu reprendras tes plans comme pourris. Tu les reprendras pas ce soir. Ce soir, c'est le soir, ou jamais. Ok? T'es bon, là, t'es chaud, là? Tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas tous les niquer. C'est pas des petites tapettes comme ça qui vont te poser des problèmes, hein? Alors, tu vas y aller. Tu vas jouer, tu vas parier et tu vas gagner. C'est clair ou pas? T'es chaud là, t'as rien à perdre. Ok, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. T'as tout à gagner, c'est ton soir. C'est ton soir, mec. J'ai rien à perdre. Mais non. Oh. J'ai rien à perdre. Hé, hey. Toi tu viens avec moi là, tu me suis. Allez, qu'est-ce que... Allez, avance toi. Je t'ai pas déjà dit que t'avais rien à voir dans l'histoire, toi? C'est bon. Tu restes ici, là. Allez, avance. 20%. Oh, mais 20%. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? C'est vrai. C'est quoi ton problème? Tu veux qu'on roule dans une Mercedes comme un putain de nègre, comme un putain de bagnole? Et qu'on se fasse arrêter à tous les feux par les flics? Hein? Ah! Avec ça, je passe inaperçu. On dirait un contremaître qui ramène ses travailleurs portugais sur un chantier. Allez, grimpe. Quand même, putain, allez.
Putain, tu fais chier à travailler dans la bagnole, franchement, ça en fout partout, ça rend dégueulasse. Mais c'est l'autre pute, quand je bouffe la chatte, à chaque fois elle gueule parce que ça pique, alors moi je me fais une peau de bébé. Voilà. Ouais, putain, t'es vraiment un grand sentimental, toi. Ouais, tu sais, moi je suis en romantique, moi. Ouais, romantique. Et c'est qui cette gonzesse? C'est Anita, là, c'est la meuf du dealer qu'on a tombé il y a 2 semaines, là, pour la coque. Ah ouais. Ah putain. Ah ouais. Mais elle est majeure, elle, loin. Bah, elle va l'être, puis elle est bonne. Ouais. Honey Badger 3, ici Central. Ouais. Intervention demandée, rue du Hibou, 3 individus suspects en état d'ébriété et ayant sûrement consommé des stupéfiants. Ouais, négatif Central, on n'est pas dispo là. Honey Badger 3, veuillez confirmer votre position. Ouais, on est rue de la Taverne là et bah écoute, on est sur un gros coup donc non, on n'est pas dispo là. Terminé. T'as vu le petit jeune là? Nounours, tu crois qu'il y a du client là? Bah écoute, y'a moyen. Je pense qu'on pourrait se les taper là direct en flag là. Plus c'est une petite gonzesse, elle a des gros nichons là. Ouais, moyen. Let's go. Ouais. On se fait ça, carrément. Allez, petit remontant. Qu'est-ce que t'en veux, on enfilera là pour un nickel. Hein. Thank you. On a bien eu besoin de taper ce mec pour ça. Let's go. Let's go. Non. Sina est meilleur qu'Orton. Bon, alors, tu dis de la merde, tu le sais, ça. Sina est meilleur qu'Orton, point barre, c'est tout. Alors, y a pas, pourquoi, y a pas de question. Pourquoi? Ouais. Il a été plusieurs fois champion de WWE, il a gagné le Royal Rumble, il a gagné tous ses matchs. Mais niveau technique, est-ce que tu peux dire ça? Par contre, là, on va nous faire chier. Non, on va nous faire chier, là, qu'est-ce que tu fais? Oh, les jeunes, on se la colle ou quoi? Ouais, c'est bien. Allez, c'est la police, là, c'est carré. Vous avez des trucs sur vous, là? Non, rien, monsieur. Je suis sûr que tu caches quelque chose. Péténichon, là, que je vois un petit peu. Quoi? Péténibar, t'inquiète, la police. C'est là que je vois ça, là. J'ai rien. Vas-y, Péténibar, c'est tout ça. Non, mais ça va maintenant. Mais toi, ta gueule, je t'emmerde, t'en veux une ou quoi? Mais c'est le. Hé, les deux connards. C'est qui ceux-là, là? Péténichon aussi. Bon, le plan, c'est quoi? Eh ben, c'est simple. Il y a un match toutes les demi-heures. Mais comme t'as pas de thunes, notre ami Cofidis va te faire une offre. Alors, c'est simple. Je prends le pari pour toi jusqu'à 5000, mec. Si tu gagnes, je refile la thune, moins la mise et moins 1%. Encaisser de suite, ou remiser sur le prochain. Si tu perds, là, c'est 25% d'intérêt de suite. Plus 10% par 24 heures. Je sais que tu te demandes comment on fait pour pratiquer des taux aussi faibles. Parce qu'il y a très peu d'impayés. Et tu sais pourquoi? Tout le monde a entendu ce qu'on faisait au mauvais payeur. Et personne prendrait le risque de ne pas payer sa dette. Même si le gars doit braquer un orphelinat, buter sa grand-mère ou foutre sa petite sœur sur le trottoir. Il trouve la thune. T'as compris le message, mec? C'est quoi le prochain match? Prochain match? C'est quoi? Tu me mets 5000 sur le premier combattant. T'as des couilles, toi? Tu veux ta joue à l'aveugle? Oui. Classe. Classe. J'espère que ça te portera chance, connard. Prochain match, c'est Tangpo contre Otsuko. Tu fous 5000 sur Tangpo. Si Tangpo gagne, je te file 8000 cash. Dans le cas contraire, je te conseille de commencer à réfléchir. Ou si tu pourrais bien dégoûter 6250 euros en 24 heures. Dégage. Allez, viens, quoi. Prenez quoi, vous, les gars? Ça, c'est ce match-là. Bon, je réalise une ceinture. Tampon, c'est quoi celui-là, tu sens pas? Non. Le lézard contre le manouche. Allez. Ah, le manouche, arrête. Le manouche, putain, il fait que prendre. Dès qu'il a 5 minutes, il se fait un dauphé. Attends, oh, c'est bien. Ça fait bon. Ah, sûrement, t'as René Levgan. Ouais, mais c'est refaire tous les chicots là. Non, il va mal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le prochain combat entre deux des fighters, le
table du circuit, c'est maintenant. Tout d'abord, il mesure 1m68. Il pèse 71 kilos. 9 victoires. 3 par KO seulement, 2 défaites. Natsuko! Son adversaire mesure 1m90. Il pèse 95 kilos. 13 victoires, 7 par KO, 1 match nul et 0 défaite, le redoutable Tempo.
Bah alors ? On entend plus ta grande gueule là ? Ah bah, ça fait mal ? Espèce de petite pute. T'as cru que tu pouvais nous baiser, nous ? Hein ? Tu t'es pris pour qui, putain ? T'es la pute du linge, toi, qu'est-ce que tu fous là ? Attends, je vais chercher des trucs. Ça, c'est pas cool. Qu'est-ce que t'as foutu, quoi, Johnny ? T'as tué ? Qui t'a fait ça ? Tu fais chier, hein. Je vais te trouver de l'alcool et des gaz, là. Qui toi ? Pourquoi j'ai touché, salope ? Tu as tout, t'es mort, connard. Qu'est-ce que tu viens me foutre ici d'abord ? Cette salope a buté 3 de mes gars. J'en ai rien à branler, moi. Tu sais qui je suis là ? Tu viens chez moi. Tu viens de buter Aljon. Maintenant tu me menaces. Tu veux la guerre ? Tu vas la voir, enfoiré. On avait un accord, putain. Toi, t'envoies cette chienne buter mes gars ? Vas-y, vas-y, les grands mots là. Je vais l'envoyer faire un petit job. Maintenant, s'il a fait un peu de zèle, c'est son problème, ok ? Putain ! On avait fait une trêve. Écoute, tu me laisses la buter et on est quitte, ok ? Une balle dans la tête et c'est fini. T'en as rien à foutre de cette connasse. C'est une freelance. Mais t'as qu'à la buter tout à l'heure, enfoiré ! Mais ouais, j'en ai rien à foutre de cette connasse. Et alors ? C'est quoi ton problème ? C'est pas ma faute à moi si ta garde rapprochée n'est qu'une bande de danseuses, enfoiré, va ! Mais maintenant, t'es chez moi ! Hein ? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si je te laisse buter mes employés à ma baraque ? Putain, j'ai une putain de réputation, moi, ici, ok ? Quelle réputation tu parles, qu'est-ce connard ? Qu'est-ce que tu fais là, toi, connard ? Je vois. Je vais passer ma vie à courir, Yarch. L'autre, il s'est mis un petit gun, là. Je crois qu'il s'est fait pousser les couilles. On est dans une impasse. On va débloquer ça de suite. On va commencer par le plus facile.
Maman, occupe-toi ce connard de Johnny Boy. Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, salope, là? T'as buté maman, mais merde! Quand t'en donnes un boulot, je l'ai fait jusqu'au bout. Putain, mais c'est moi qui t'ai payé pour ça, espèce de pute! Merde. Parce que j'ai quasiment fini de payer en fait. Barre-toi! D'accord, ok. Barre-toi! Oui. C'est moi. Je te réveille, ouais, désolé. Ouais, excuse-moi. C'est assez urgent. Tu te souviens le plan shit dont tu m'as parlé la dernière fois, là? Ouais. Tu viens toujours? Et y a moyen que tu fasses crédit?